Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo spéciale. Spéciale Halloween. Donc, à défaut de ne pas avoir trouvé de chapeau de sorcière, eh bien, j'ai trouvé ce truc. Je me suis dit que c'est ce qui se rapprochait le mieux. On dirait que ça fera l'affaire. Donc, aujourd'hui, on est sur un tout nouveau jeu d'horreur qui vient de sortir. Ça s'appelle The Park. Et c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout neuf. C'est avec un nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine 4. Et apparemment, ça fout les chocottes à mort. Dans cette vidéo, on risque d'avoir peur, de pleurer et de crier. Donc, on va dire que ce jeu n'est pas pour les enfants. C'est simplement pour les personnes courageuses qui veulent rester avec moi et faire le jeu avec moi. Tous ceux qui ne se sentent pas capables de regarder, vous pouvez éteindre la vidéo tout de suite. Et tous les courageux, on va le faire ensemble. Alors le jeu est intégralement en anglais, donc moi côté anglais, je suis pas terrible on va dire. Disons que je me débrouille, mais les traductions seront approximatives. De toute façon, je vous expliquerai l'histoire en cours de jeu. Allez, c'est parti. The Park est une expérience narrative. La meilleure façon de jouer est dans une pièce noire avec un casque sur les oreilles. Where's Mr. Bear? Oui, Monsieur Bear. I haven't seen Mr. Bear, Callum. Je n'ai pas vu Monsieur Bear, Callum. Les traductions seront approximatives, hein, je vous dis. Attends dans la voiture, je vais demander des informations au bureau. Très bien, alors c'est parti. Alors déjà, graphiquement, c'est super beau, hein, franchement. Presse pour interagir avec les objets du monde. Ok, d'accord. Bureau information. Allez, dis-moi tout. Ça a pas l'air d'aller bien. Hey, Lorraine. Lorraine. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Les gens pensent tout le temps. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop. Oh, ok. Stop. I think your boy just ran into the park. Je pense que ton enfant est parti dans le parc. Je vais le débloquer pour toi. Pour que j'aille le chercher. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Je vais déjà voir s'il n'y a pas un truc à récupérer. Presse, tac, pour appeler Colum. Wait up there for mommy, Callum. Come on, mommy. Ok, attends maman, Colum. C'est parti. Ok. C'est bloqué. Atlantic Island Park. Donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire vite fait. C'est que, voilà, c'est que ce petit bambin là-haut, eh bien, il n'attend pas sa maman. Donc nous, on joue la maman. Et en fait, il va se barrer dans le parc. Vous allez voir. Je pense que c'est un parc spécial. Un truc coincé entre le rêve et la réalité. Ça. Ok, c'est pas trop s'il y a rêve ou pas. Ok, d'accord. Donc en fait, regardez, Colum, il est là-haut. Voilà, et il se barre dans un parc. Et ce qui va se passer, bah, c'est que vous allez voir. On va être plongé dans un parc d'attractions. Dans une ambiance complètement... Le truc, c'est les contes de la crypte, quoi. Ça a l'air de s'annoncer énorme. Regardez ça, tout de suite, l'ambiance est déjà plus dark. Oh mon dieu, The Park, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, ça c'est le plan du parc. Alors désormais, voilà, il m'a dit que je pouvais courir. Ça, c'est plutôt cool. Putain, par contre, c'est vachement sombre. Hein. Tu ne pourras pas m'attraper, maman. Viens ici, sale petit bambin. Oh, regardez ça, franchement. J'adore l'ambiance. J'adore, franchement. J'adore l'ambiance. Sale bambin, va, regardez ça. C'est juste énorme. Avec le petit moteur Unreal Engine 4 en plus, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, franchement. Qu'est-ce que je kifferais visiter un parc d'attractions comme ça en vrai? Je kifferais, hein. Alors c'est fort possible que si je visitais un parc... Oh putain, oh, je croyais que c'était des yeux, ok, regardez là-bas. Je croyais que c'était un monstre avec des yeux déjà. En fait, c'est un simple lampadaire. Ouais, donc je vous disais, ouais, je kifferais visiter un parc d'attractions comme ça. Après, c'est possible que si j'allais visiter un truc comme ça, je me ferais forcément des frayeurs. Mais en même temps,
Je pense que quand on va visiter un truc comme ça, c'est ce qu'on recherche aussi, la frayeur. Examine choose. I think this belongs to Callum. Je pense que c'est à Callum. Yes. Examine plaque. Je vais pas m'amuser à traduire toutes les fiches. De toute façon, l'histoire, moi je vous dis, c'est que Callum il s'est barré dans un parc d'attractions complètement what the fuck. Enfin, ça avait l'air d'être tout tranquille à la base. Mais ça s'est transformé complètement dans une ambiance crispy pasta. Vous voyez? Je sais pas si ça se dit l'ambiance crispy pasta. Une ambiance horrifiante quoi, terrifiante. Et voilà, donc le but ça va être d'aller chercher Carl quoi. Carl, Callum. Pourquoi je l'appelle Carl? Tunnel of the Tales. Regardez ça, on a le plan du parc et tout. Non, franchement. Callum, stay where you are. Moi pour l'instant ça me plaît. J'avais vu le trailer du jeu et franchement, oh, le trailer, mais ça a l'air d'être... Ça avait l'air d'être une tuerie, rien que le trailer. Après, ça va beaucoup jouer sur les effets sonores. Vous voyez, dans un parc d'attractions comme ça, en vrai, moi, je m'y vois déjà. Un parc d'attractions comme ça, c'est vidé et tout. Il y a personne. Et là, vous rentrez là-dedans, vous êtes dans un autre monde. Ah, oh, les effets de lumière. Ah, c'est connu, l'histoire d'Ansel et Gretel. Ouais, c'est quoi ça? Ça y est, ça commence déjà là. Regardez ça, franchement, c'est super bien fait les effets de lumière. Ok, donc là en fait, il est en train de me raconter l'histoire d'Ansel et Gretel avec des petits effets de lumière et tout. Franchement, c'est plutôt sympa. Ouais, il se passe des trucs chelous là. Wow, wow, wow. Callum, les enfants sont partis dans la forêt pendant 3 jours. Ouh, la sorcière. Mais de toute façon, nous, ce qu'on retiendra, c'est que l'histoire, c'est Carl s'est barré dans un parc complètement what the fuck et faut retrouver notre gamin, quoi. Il est là, le résultat. Wow. C'est quoi? Ça s'accélère ou... Le temps passé, Ansel refusa de manger. Aujourd'hui, j'ai cuisiné votre frère, Gretel. Mais Gretel prétendait ne rien comprendre. Je ne sais pas. Oh, regardez, on voit le bout du tunnel. Je crois que c'est la fin de l'attraction. Oh, regardez ça. En fait, ils ont mangé la sorcière. En fait, fin de l'histoire, Ansel et Gretel ont mangé la sorcière. Ouais, en tout cas, c'était sympa ce petit tour en canard. Oh! Oh, regardez ça, comment que c'est badant, quoi. Regardez ça, comment qu'il est badant ce canard. Bon, Callum, t'es où? Bon, on va descendre, bien gentiment. Attends, moi tu me... je repars pas faire un tour, hein, c'est bon. Hein. Je la connais l'histoire d'Ansel et Gretel maintenant. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Allez! Hansel and Gretel. Ansel et Gretel. J'ai lu l'histoire à Callum. La forêt, les oiseaux, la vieille sorcière. Les parents et leurs parents. J'utilise l'imagination de Callum et celle des enfants dans mes histoires. Alors, il y en a sûrement qui vont s'arracher les cheveux de la tête quand ils vont me voir traduire en anglais. Ceux qui sont forts en anglais. Mais moi, je suis pas très fort. Disons que je traduis un petit peu ce que je comprends. Bon, très bien. Ouais, il y a eu un petit point de sauvegarde en bas à droite. Another accident in this place. Oh. Open the door. Oh! Wow, c'est quoi ça? Read note. Ok, mais j'ai pas le temps de lire des bouquins, moi, mon vieux. Oh putain, comment. Oh, comment que c'est sale? Le nounours avec un couteau planté dans l'œil, quoi. Ouais, j'ai pas le temps de lire des notes. J'ai mon gamin, il s'est barré dans le parc d'attractions. J'ai pas que ça à faire de lire des bouts de papier. Ok. Ah, ok. On se calme. Y'a quelqu'un là-haut? Saloperie, va. Callum. Oh, regardez ça. Oh, excellent. Regardez ça. Oh, je l'avais vu dans le trailer, ça, la pieuvre. Avec la grande roue là-bas et tout. Oh, c'est juste. C'est génial. Avec l'ambiance sonore qui va avec et tout, c'est génial. Octo Throne.
This old thing used to make the blood run to my head. It'd make me dizzy. C'est un vieux manège. Examine report. The guy just snapped. Okay. Those poor kids. Le gars juste snapped. Ok. Et snapshot. Très bien. Hello? J'ai déjà fait du manège comme ça en plus un petit peu. Enfin, c'est connu ce genre de manège, vous voyez? Genre de pieuvre et tout. Ah! Ride Octocoron! I can't get on while it's moving. I can't handle the real on moving. I crazy speed. The crazy speed. Oula! Oula! Ouais, je vais le faire dérailler le machin. C'était peut-être plutôt cette manette. Allez, ralentis, ralentis, ralentis. Voilà, on s'arrête. Tout doux, c'est bien. Voilà. Impeccable. Très bien. On va aller faire un petit tour. Tu me laisses passer? Ok, d'accord. Cinématique. Oh, excellent. Comment c'est trop bien fait. J'adore. Vous voyez le genre de manège? Je suis sûr que tout le monde en a déjà fait ce genre de manège. Les pieuvres comme ça. Oh, comment ça commence à aller vite là? Avec l'Oculus Rift et tout, ça doit être pas mal. Waouh, excellent. Oh, ça va vite là. Trop bien. C'est quoi ça? Oh, le machin, comment qu'il est pas dans. Ok, il a disparu. Très bien. Il a... Putain, il est déjà fini le tour de manège. Oh, ça a pas duré longtemps, hein. Franchement. Ça a pas duré très longtemps, hein. Oh, regardez. Oh non, comment que c'est pas dans, quoi. Oh, il a disparu. On va le faire dérailler un peu là. On va voir jusqu'où il pousse la vitesse. Ouais, il va quand même assez vite là, le machin là. Ça va, j'ai bien fait monter la vitesse là quand même, hein. Ok, on s'en va. Callum. Callum, stay where you are. Attends. Ah non. 25 cents. Ouais, bah c'est le prix, hein. Oh, on va aller vers la grande roue, je crois. Oh, on peut pas. Oh, on peut pas ramasser la torche. Merde, c'est dommage. Ouais, putain, comment que ça me casse la tête, ce bruit de manège. Je vais le faire ralentir, là. Voilà. Silence, un peu. Mon Dieu. Oh. Examine Polaroid. Moi et Colum. Bah, à côté de ce manège, en plus. Putain, par contre, je sais plus d'où je viens. Je pense qu'on va essayer d'aller par là-bas. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. La première fois que j'ai vu Colum, construisons un monde. Oh, c'est quoi ça là-dedans? Ok, donc en fait, ils ont construit un monde plus ou moins de rêve. Un monde pas réel, quoi. Oh, regardez ça! Oh, je pense que vous l'aurez vu, hein. Stop, Callum. Oh, putain de merde. Oh, le sursaut. Comment qu'elle m'a fait bader, elle. Oh, regardez ça, quoi. Ok, on se casse de là, on se casse de là. En tout cas, l'ambiance... Bien fait l'ambiance, hein. Énorme, j'adore. Constant crashes in 80s music. Guess it floats someone's boat. Ouais, c'est la musique des années 80. Ok. Ouah, c'est quoi? Oh, les voitures auto-tamponneuses. Oh putain. On va examiner ça un peu. Non, 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 please, non. Wow. Stop, docteur. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Oh, putain.
Moi ça aussi je l'ai vu dans le trailer, c'était le bordel là-dedans. Il y avait des autotamponneuses qui volaient. Donc je suppose que... Oh! Ah oui, bah bien sûr! C'est comme l'autre, faut d'abord aller chercher son ticket je pense. Non? Ou pas cette fois-ci? Ah, je pense pas en fait. Bonjour! Je voudrais un jeton pour les voitures autotamponneuses, s'il vous plaît. S'il vous plaît! D'accord. Callum? Oh! Là-bas, maman? J'y souhait. Callum, où es-tu? Sale morveuve! Tu pourrais répondre à ta mère? À mon avis, il doit être planqué dans une bagnole. Oh, là-bas! Celle-là. Avec les phares allumés. Oh, ok. Très bien. Oh! Ouais, ça, je l'ai vu, ça. Ça, on le voit dans le trailer. Wow. Oh, lolo. Bordel! Ok, donc, du coup, moi j'imagine qu'il veut qu'on aille là. Ça coule de source. Hein. Oh le bordel de malade! Colum était petit. J'étais parti dormir dans la voiture. Et quand je suis revenu, le shérif a pris une autre voiture. Oh, désolé si. Regardez ça. Je vais crier. Oh, comment que ça me foutrait les boules de monter dans un vieux manège comme ça. Bon, je pense qu'on va aller faire un tour. Hein. On est où là? Ok, d'accord. Ferry wheel. D'accord, bah on est là. En haut, bah ouais, on a fait le tunnel of Tales. En fait, on a longé, on a fait l'octocron, le ferry water. Et il reste quand même pas mal de manèges. Hein. La maison des horreurs et tout. Oh, comment ça doit être pas mal. Le roller coaster. Bon, c'est parti. On va faire un tour de celui-là. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que là, tu fais pas la queue pour faire un manège. Parce que va à Disneyland en pleine saison. Tu vas voir combien de temps que tu mets pour faire un tour de roue. Bon, ah ouais, toujours toujours le même délire. Attends, d'abord je vais voir à la vitesse où ça va. On va tout pousser à fond. Déjà rien que le bruit, moi je monte même pas dedans en vrai. J'entends un manège, il fait ce bruit là, c'est mort. Alors, qu'est-ce que ça ressemble? Oh là là, oh, ça va, franchement ça va. Bon, on va l'arrêter, voilà. Bon alors nous bien sûr il faut qu'on garde en tête que notre objectif principal, de toute façon l'histoire du jeu, c'est que on doit retrouver notre cher Callum, notre fils. Moi de toute façon je retiens que ça de l'histoire. On doit retrouver notre fils, il s'est barré dans le parc. Oh regarde, mais il est encore là lui. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Vous l'avez vu là? Hein? Oh là 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 là. Franchement en vrai c'est super joli hein. C'est super joli. L'ambiance et tout c'est énorme. Ok, je veux descendre. Regardez, je suis sûr il est encore là, l'autre là. Regardez-le. Oh, comment qu'il fait bader à mort, lui. C'est lui qui nous fait faire des tours de manège depuis tout à l'heure. Ah ouais, tu me fais faire des tours de manège. Regardez, il a déjà disparu. Petit filou, va. Moi, je viens de là. Donc nous, on va aller là-bas. On va aller se faire un autre manège. Attendez. Vous écoutez comment qu'elle craque la roue? Vous imaginez là le truc? Oh non mais regardez ça quoi, les barres elles sont toutes rouillées et tout. Moi en vrai je monte pas là-dedans. Je monte pas là-dedans en vrai. T'es malade. Non. Autant aller faire un saut en parachute sans parachute hein. C'est pareil. Vous avez vu le bordel? Bon. Très bien. Where are you, Callum? Oh! C'est quoi ça?
Ah, c'est... une poupée. Ok, on va prendre le ticket. Oh là là, c'est quoi ça? On se barre de là. Allez, bah pourquoi tu cours plus? Tu courais tout à l'heure, là. Ah si, ça a l'air, elle court un petit peu. Beaucoup de gens idolent leurs enfants. Ils parlent de leurs enfants. Mon ange aime lire. Mon petit Johnny est très bien au piano. Ok, d'accord. En fait, elle est en train de dire que beaucoup trop de gens idolisent leurs enfants, quoi. Ouah, c'est... Oh, je sens qu'on va faire un tour de montagne russe. Je sens qu'on va faire un tour de montagne russe. Oh, ça va être énorme. Oh là là, roller coaster. Ça, ça va être bien, ça. Ouah. Je suis sûr il est encore là. Regarde, salopard. Saloperie, va. Il est derrière. Nous parlons de Callum. Toi et ton garçon êtes toujours pas en place. Les entités of... Où est Callum? Désolé pour traduction approximative, hein, les gars. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Ok, donc Callum est perdu dans le parc, mais le parc a très faim, en fait. The witch has him now. Has both of you. No happy ending. La sorcière est là maintenant. Je parle d'une sorcière. Laissez-moi tranquille. Oh, regardez la descente. Oh, c'est énorme. Oh, on se tape la descente. Oh, oh. Oh, c'est quoi ça? Wow. C'est quoi? Énorme. Trop bien. Allez, encore une petite descente. Hop là. Oh, c'est excellent, les petites phases de jeu comme ça là. Wouh. Oh, on va se refaire une descente après, les gars. Ça va être là, ça va être là. Regardez la vue qu'on a. Wouah. Ouais, la montagne russe. Ah, je suis... Wouah. Non. On a buté Callum! On a buté Callum! Voilà, bon bah voilà, bah le jeu il est fini, fin de l'histoire, on a buté notre gamin. Allez, ciao, au revoir, merci! Non mais sérieux quoi. Et moi je fais des montagnes russes comme ça? Je me chie dessus direct, hein, moi je te le dis, hein. Franchement. Ah ouais! Putain, salopard là, c'est lui en fait là! Hein. Putain, il est pas là. On va aller voir sur le plan ce qu'on a fait pour l'instant. Il doit y avoir forcément un plan pas loin. Oh non! Oh ouais, flashlight! Et une hache, ce serait bien aussi. Disons que je voudrais bien la prendre quoi. Reviens! Comment j'utilise la flashlight? Très bien, bon, peut-être que la lampe a plus de pile. J'en sais rien. Franchement, là. On se barre de là. Ok, donc on va voir ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça, c'est le plan, ça. Atlantic Island Park. Je voudrais bien le visiter en vrai, ce parc d'attractions là. Super glauque, moi ça me plaît. Donc, on a fait le Tunnel of Tales, l'Octotron, le Ferry Wheel. On a fait les bumper cars, donc les autotamponneuses. On a fait le roller coaster. L'entrance, à mon avis, ça doit être l'entrée, je pense, je sais pas. Il nous restera, on va dire, l'entrance, le Sideshow Alley et la Maison des Horreurs. Donc on va s'arrêter là pour la première partie de The Park. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, le jeu, il me plaît vraiment. J'ai vraiment envie de faire la suite. Voilà, donc pensez à laisser un petit pouce bleu pour voir la deuxième partie du jeu. Ce serait sympa. Et on pourrait se refaire ça, se plonger dans l'ambiance creepy de ce parc d'attractions. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye.